Jésus-Christ ne sera redevable à personne. Yesu Kristo kenu challenge banza ya muntu na show moi. C'est ce que disait le cantique. Kichi vumusambu munga chumwadi jamba. Nous saluons les serviteurs de Dieu qui sont à notre droite. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très contents de votre présence parmi nous. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous voulons savoir s'il y a des personnes qui sont venues prier avec nous pour leur première fois. Partout où vous vous trouvez, si c'est votre première fois de prier avec nous, levez seulement la main. Nous voulons vous saluer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visiteurs. Non, il y en a. Il y a demain. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga anubenisha. Nous voulons vous accueillir avec ce cantique. Tulitujinga kunwakana ni musambwe u. Kodim n'est pas encore là. Ça va, on vous cherchait, on ne vous voyait pas. Bon, comme on n'a pas encore prié pour ceux de l'école de dimanche, nous nous excusons auprès de Kodim pour les rapports. On peut remplacer cette place-là pour la prière pour les Godiens. Yes. Alors, nous appelons les moniteurs, monitrices, surveillants, chefs de centre. Et Godiens en entier, venez vous placer ici. Depuis qu'on a commencé l'année, on n'a pas encore prié pour vous. Et Godiens, Tenez-vous dans des graduellement comme ça, d'autres ici. Acclamez ce qui accomplit la carte de nos enfants. Les directeurs ici, directeur. Ici, au podium.
On appelle ça serpe, crêpe, crêpe. Tu dis tout bigila kabiji, mais na crêpe, kasu bo. Soyez à côté du directeur. Il m'a naigu nuseka, l'homme tangidi wakala saka dani mingwe. Voilà ceux qui encadrent nos enfants. Crêpe, crêpe, montez du côté des directeurs. Badi, bakubaba ne beto, mais bejoba ne beto, mbo baba, kasu muga crêpe, bandai henu. École de dimanche montée. Ala sagadalimingu bandai. Nous remercions nos frères ici, nos sœurs ici qui encadrent nos enfants. Tudi tout ça qui dit là, bana beto abaluma ba ni baba kaji. Bari bachunga bana beto. Pendant que le dimanche nous endormons encore pour peut-être nous apprêter doucement disons venir à l'église. Hajibini mujalimingu. Mais ces vaillants frères et sœurs que vous voyez ici quittent très tôt matin pour aller dans les différents centres pour encadrer nos enfants. Nous allons tous nous lever pour prier pour eux afin que Dieu protège leur foyer. Wanizambi akuba meko abu bénisse leurs enfants abenesha babubana balela accorde à chacun de les désirs de son cœur pour cette année aha umone umo wabu dijinga ja moyi wenda muchidi mwechi c'est ce que nous devons demander kichi tudini chabokulomba à la fin je vais clôturer la prière kundegeji me maninga kero mokujikija disambila prions tous ensemble avec nos mains levées tusambila ibonsha hamwani byanzi betu byele mulu. Seigneur Jésus-Christ, Mukalenga, Jesus Christo, nous venons avec ce groupe de frères et sœurs qui travaillent pour toi, Seigneur. Au milieu d'eux, il y a ceux qui enseignent nos enfants. Au milieu d'eux, il y a ceux qui surveillent. Au milieu d'eux, il y a les directeurs qui supervisent cette grande école de dimanche. Au milieu d'eux, il y a ceux qui réfléchissent, qu'on appelle crêpes, pour donner des orientations dans les cours qui doivent être donnés. Bien que nous sommes en pleine année, au milieu de l'année, nous n'avions pas pu faire ça au début de l'année. Toi, tu es Dieu, tu savais que ce désir était dans notre cœur. Nous venons avec eux devant toi. Après que ton église ait prié pour chacun d'eux, la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos os. Il donnera la maladie du milieu de toi. C'est vrai, Seigneur Jésus. Nous sommes sur cette terre ici.
On peut être sujet aux attaques ou à des différentes maladies qui peuvent nous arriver, que nous pouvons prendre les produits pour les traitements, Seigneur. Mais ô Seigneur Jésus-Christ, pour cette troupe qui est devant toi ici, Père, éloignez des maladies graves de leur maison, Seigneur. Protège leurs enfants, Seigneur, à cause de cette position qu'ils te servent, Seigneur. Bénis-le pour le reste de cette année dans ces mandats qu'ils sont engagés de prendre, Père. Que ta grâce les protège, Père. J'insiste aussi, Seigneur, bénis tout ce que chacun entreprend comme activité pour nourrir sa famille, Seigneur. Que ce soit les hommes ou des femmes qui se débrouillent, que ta main soit sur tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur. Nous le recommandons pour cette partie de l'année qui reste, et cela entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas, vous êtes nombreux. Je peux quand même vous serrer la main, mais ça sera... Bon, je serre la main de crêpes à votre place. Je n'ai pas encore dit de rentrer. Crêpe tournée vers moi. Merci, vous pouvez regagner vos places. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. Je voudrais, avant que nous commencions à chanter, rappeler ceci. Comme j'avais instruit, ceux qui chantent, mais à la fin de la réunion, si ça ne serait pas très long, j'aimerais rencontrer tous les chanteurs de notre église ici, ceux qui composent tout ça, qu'on se retrouve un peu de ce côté-là après la réunion. Des chanteurs, ceux qui aiment chanter dans l'église. Et je voulais rappeler ceci pour notre partie de louange. Il y a eu une question qu'on avait posée à Frère Branham. Comme j'avais instruit le jeudi passé, c'est en ordre de l'église du 28 décembre 63. 1263. Question 233e. Je prends directement la question. Combien d'instruments devons-nous avoir dans l'église en dehors de l'orgue et du piano? C'est-à-dire quand nous devons chanter dans la louange là. Nous devons voir combien d'instruments à part l'orgue et le piano. Nous avons le synthé qui est adapté à cet orgue piano. Eh bien, cela dépend si vous avez un orchestre à cordes ou bien autre chose. Vous voyez?
Nene beke la ni chombelu ni orchestre kampanda. C'est-à-dire corde, c'est-à-dire des guitares. Bueno, comme ni orgue, guitare. Corde, nshinga, bueno, comme ni guitare. Comme nous avons des guitares là. Bumutu di ni ma guitare. Je ne sais pas ce que vous avez. Chana mumanya binu dinabi. Ce que ceci veut dire, je ne comprends pas d'abord. Seulement l'orgue et le piano sont la propriété de l'Église. Maintenant, si le directeur de chant décidait d'avoir des trompettes, des cornets, ainsi de suite comme cela, ni biko abu bion swabi, et que des gens soient venus dans l'église sachant jouer ces instruments. Ni bantu bobu kulobu mwekelezi ya bamanya makwimba bina biombelwebi. Ils font partie d'un orchestre, donc comme j'ai parlé, l'orchestre de l'église que nous avons là-bas. Bobu bekela mchisumu cha misambo arubunga kulu chisumu cha tsitu nachi mwabero. Alors évidemment cela concerne vos administrateurs. Abu bwalu mutangela jaka mwa balubuluji benu babintu. Il faudra voir avec les administrateurs s'ils ont l'argent pour acheter ces instruments et ainsi de suite. Mais nous en avons. Mais s'ils possèdent leurs propres instruments, donc des personnes comme ça qui savent jouer, s'ils n'ont pas d'instruments à eux, c'est-à-dire ceux qui savent manier, manipuler, et qu'ils font partie d'un orchestre ici, ce ne doit pas être simplement quelqu'un qui vient ici juste pour jouer de temps en temps, pour s'en aller ailleurs ensuite. Il doit s'agir d'un orchestre dans l'église. L'église n'achètera pas une trompette à un homme qui en joue ici aujourd'hui et demain soir ailleurs. Et encore ailleurs. Qui passe nous voir de temps à autre pour jouer un peu. Non, messieurs. Il doit s'agir d'un orchestre ici même. Il doit s'agir d'un orchestre ici même. D'un orchestre bien constitué avec les directeurs. Alors, si dans les jours à venir, on inclut des trompettes ici, c'est pour que vous compreniez que le prophète a montré que ces choses peuvent toujours être dans l'adoration à côté de l'orgue, enfin, notre sainte que nous avons et les instruments à cordes. Pour bien arranger notre système d'adoration. Alors nous leur laissons la place, c'est le moment. Je laisse la place au président de la réunion. Le reste des annonces à la fin. Nous invitons les conducteurs de chant. Vous Alléluia. Dibanjika Mediondoka. Moussamouibi Nukalamou Maranata numéro 63. Moussoumoui Peoudikou. Moussamboumoui Sato Nikalagadou Maranata numéro 13. Moundamoua Chanza Chandi.
prédicateur du jour. Oui, si, Wadi Koubou. Le pasteur Manassé de Kananga. Pasteur Manassé, Wadi Koubou de Kananga. C'est le pasteur Manassé de Kananga et la Sainteté Tabernacle qui va nous parler ce matin. Pasta Manassé au Kananga, Wamu Sainteté Tabernacle, le groupe de Moudindemo. Comme nos hôtes commencent déjà à arriver, Bumukadi, Benibet Wamushinga, Mungachi, Mwakwendokufika. Celui qui commence déjà aujourd'hui, Yeya, Kuduambre di Kassa, Leluéo. C'est aussi l'enfant de la maison. Yeye kabidi mwana wa munzu bwemu redresser le micro qui est tombé là. Umushayi. Alors il faut qu'il se sente au milieu de ses frères. Bidibi kengedi boni ajumvwa mungachi mwabana babu. Et vous savez que celui qui a remplacé son père qui nous a précédé dans la gloire, Barnaba Kayembe. Ndibamanye bwani yegulu mwalo kilhamwaba watatuenda ukati mutyanjela mubutumbi Barnabas Kayembe qui est pasteur amena akananga yeye kudimwekala ngana mpasta kudisangishija kukananga. Alors nous l'invitons qui se sente le milieu de ses parents nyewe tumubikila ajumvwa mungachi mwabaledi benda ni bana babu que nous amène le pasteur Manassé batutwadila pasta Manassé. Je vous salue tous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il garde encore dans nos corps mortels. Et pour des moments de communion qu'il nous donne encore de ce côté-ci de l'éternité. Nous remercions notre ancien pour la confiance qu'il continue à placer dans notre personne. J'ai toujours dit quelque chose et je l'ai toujours dit du fond de mon cœur. Vous savez, un ami peut faire confiance à son ami. Un contemporain peut faire confiance facilement à un contemporain. Mais quelqu'un qui vous a vu naître, qui vous a porté, qui a vu toutes vos bêtises et qui après vous fait confiance pour vous tenir là où il se tient, moi, je sens que c'est quelque chose de grand. Ça m'a toujours marqué quand je vois des parents me faire une confiance à un si haut niveau. Et j'ai toujours compris que c'est une dette qu'on me
Donc, pratiquement, je dois contrôler tout ce que je fais. Merci, révérend. Nous pouvons prier le Seigneur. Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, ouvrez les opères, Jésus vainqueur, que toute la terre chante ensemble. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ouvrez les oreilles, Jésus vainqueur. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, pour te dire merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force. Merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta maison. Merci pour être mort pour nous à la croix. Merci de nous avoir envoyé frère Branham. Merci pour la lumière du soir. Et merci pour la grâce que tu nous as faite de voir cette lumière. Marcher aussi. Nous bénissons ton grand nom. Le moment est arrivé, Seigneur, où nous voulons que toi, tu nous utilises pour parler à ton peuple. Où ouais, nous, Seigneur, où est ouais, ton peuple. Ouais, encore une fois ta parole. Élève-nous, Seigneur, dans les lieux célestes en Christ. Donne-nous un entendement spirituel libre de toute confusion. Et que toi tu traites avec les âmes de tes prédestinés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Genèse au chapitre 11. Genèse chapitre 11. Nous lisons les 9 premiers versets. 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole pour nous asseoir. Ce matin, j'ai un sujet que j'ai formulé sous forme d'une question. Une question que je voulais adresser à chaque croyant de la parole, à chaque croyante de la parole ce matin. Comment pouvez-vous vivre au ciel et sur la terre en même temps? Mon frère, ma soeur, papa, Tao, maman, Mao, mon jeune frère, Baluma, ma jeune soeur, comment pouvez-vous vivre au ciel et sur la terre en même temps? Je crois que ma question est claire. Kaka, je ne sais pas. Vous ne voulez même pas répondre. Si la question n'est pas claire, vous allez me dire, je vais toujours la répéter jusqu'à ce qu'elle deviendra claire. Est-ce que ma question est claire? Merci. J'aime prêcher avec vous. Vous. Ne me laissez pas seul. Comment pouvez-vous vivre au ciel et sur la terre en même temps? Peut-être on se demande, mais ce sujet-là avec cette écriture, bon, c'est comment? Nous allons comprendre tout à l'heure. D'après ces versets que nous venons de lire, après le déluge, après la mort de Noé,
il se leva un grand homme influent du nom de Nimrod. Il était un grand leader religieux. C'était un homme influent. Il eut à cœur de fonder une église. Il voulait fonder une religion. Il a rassemblé ses frères et sœurs. Il leur a dit: je voudrais que nous puissions fonder une religion, que nous ayons quand même notre église où nous pouvons aller, où nous pouvons adorer. Et comment allons-nous construire? Nimrod dit: faisons de briques, trouvons du bitume, construisons une tour qui partira de la terre au ciel. Comme ça, le jour où nous pécherons tellement et que Dieu voudra détruire la terre, nous monterons par notre tour, nous irons nous cacher au ciel, comme ça son jugement ne nous atteindra pas. Quand il finira, nous redescendrons sur la terre, nous continuerons à faire nos choses comme bon nous semble. Et si nous n'aurons pas à abandonner nos bêtises, ça sera une religion qui nous permettra de vivre comme nous voulons sur la terre et d'aller au ciel quand nous voulons. Ce n'est pas mon explication, c'est Frère Branham qui explique comme ça. Ça veut dire, Nimrod fait une religion qui permet aux croyants, qui permet à l'adorateur de vivre sur la terre comme il veut et d'être capable d'aller au ciel, d'y vivre comme il veut. Il peut être sur la terre et au ciel en même temps, quand il veut, comme il veut. Nimrod a fait croire à ses croyants que Dieu pouvait supporter l'idée selon laquelle l'adorateur sur terre pouvait vivre comme bon lui semble, mais néanmoins monter au ciel à la rencontre du Dieu très saint quand il veut, quand il le veut. Frère Branham dit: Dieu ne peut jamais laisser l'homme faire ça. C'est pour ça qu'il est descendu et il a détruit l'église de Nimrod. Frère Branham dit que c'était ça même le type d'une dénomination. C'est Nimrod qui a bâti la première dénomination. Dans la dénomination, les gens vivent comme ils veulent, agissent comme ils veulent, sans tenir compte de la parole. Et quand on parle de la dénomination, les gens voient l'église catholique,
Les gens voient les protestants. Les gens voient les pentecôtistes. Oh! La dénomination, ce n'est pas d'abord un bâtiment. Mais la dénomination, c'est un système. Même un homme peut devenir une dénomination. Parce qu'après tout, une église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'homme. Et Fabana me dit, de la même manière que Dieu a construit son église au cours des âges, c'est de la même manière qu'il construit son individu. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse, quelque chose me vient maintenant. Aujourd'hui, il y a des croyants qui aiment dire, les prédicateurs aussi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de la justification. Nous sommes au sommet, à la pierre des fêtes. C'est vrai. C'est la vérité. Qui est au sommet? C'est Dieu. Dans la construction de son église au cours des âges, qui en est arrivé au sommet avec le message de la pierre de fête. Mais toi, quand tu viens à Dieu, tu ne commences pas au sommet. Tu dois être construit de la même manière que l'église a été construite au cours des âges. Ça veut dire, tu commences par la justification, tu montes à la sanctification, tu montes au baptême du Saint-Esprit, tu montes au Saint-Esprit lui-même, tu vas à l'adoption, tu es un enfant parfait. On ne doit pas nous prêcher la justification. On ne prêche pas la justification à qui? À toi? Dans la bêtise? Dans la souillure? S'il y a quelqu'un qui a besoin de la justification, c'est toi, non? Parce que tu n'as jamais expérimenté le pardon de tes péchés. Mes frères et sœurs, détrompons-nous. Il y a une vraie vie avec Christ qui existe. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas ce rassemblement. La vie chrétienne, c'est une marche individuelle de chacun avec le Seigneur. Comme nous sommes là, nous ne sommes pas au même stade dans le Seigneur. Chacun connaît son niveau. Et quand Dieu inspire le prédicateur pour parler de la justification, toi ne dis pas, il a perdu notre temps. Est-ce que c'est adressé à toi? Toute une réunion peut être comme ça ce matin, juste pour une seule personne. Et vous tous, vous êtes venus l'accompagner ce matin. C'est vous qui pensez qu'une personne ne vaut rien. Mais Dieu est descendu du ciel pour rechercher une. Alors Nimrod a fait sa religion pour que l'adorateur ait la facilité de vivre sur la terre quand il veut, comme il veut,
et d'aller au ciel quand il veut, comme il veut. Dieu a détruit ça parce que Dieu ne supporte pas cette chose. C'est pour ça que moi je vous pose la question. Cette chose que Dieu avait détruite, comment vous pouvez l'entretenir aujourd'hui? Comment pouvez-vous vivre sur la terre et au ciel en même temps? Lisons le prophète. Et nous continuons. Je suis dans la prédication L'Unité. 11 février 1962. 118 à 119. Frère Branham dit. Et encore après cela. Après la mort de Noé. Et de cette famille spirituelle de Noé. Vous savez, la première chose, les enfants des hommes se mirent de nouveau à se regarder l'un à l'autre. Que firent-ils? Ils dirent, eh bien, nous ne sommes pas des infidèles. Donc nous sommes des croyants. Nous croyons tous en Dieu. Comme toi aussi tu l'as dit ce matin, je ne doute pas. Ainsi, non. Ils eurent un gars, un conducteur, un grand archevêque du nom de Nimrod. Et ils construisirent une tour. Ils n'étaient pas des infidèles. Ils étaient des croyants. Comme vous et moi. Il croyait qu'il existait un ciel. Il croyait qu'il y avait un enfer. Il croyait au jugement. Mais les enfants de Dieu avec les filles des hommes une fois de plus s'unirent faussement et bâtir une très grande cathédrale, une très grande organisation. Et tous les autres lieux devaient à Babel, ils devaient lui payer un tribut. Ils ont dit, je vous dirai ce que nous pouvons réaliser, hein? Vous savez, nous sommes intelligents. Mais d'où leur venait cette connaissance? Du diable. C'est exact. Ils ont reçu du diable comme Ève. Ils l'ont reçu du diable. Ils ont donc dit, nous nous formerons une organisation. Suivez très bien. Nous plairons à Dieu. Et je vous dirai ce que nous ferons. Nous saurons un escalier avec des petites marches. Nous monterons en courant. Nous chanterons et nous nous réjouirons avec les anges. Comme vous êtes montés aussi ce matin. Ce matin, pendant la louange, tous nous sommes montés. Parce que l'adorateur adore dans les lieux célestes. Le ciel n'est pas très loin de nous. Le ciel descend chaque fois sur la terre. Et l'adorateur change de dimension, il monte. Amen.
Amen. Donc nous sommes montés ce matin. Amen. Nous avons chanté. Alors ils disent, nous nous réjouirons avec les anges. Oui, nous reviendrons ici pour vivre comme bon nous semble. Le frère Branham dit, ce démon est toujours vivant. Quel démon? Nous montons, nous chantons, nous nous réjouissons devant le Seigneur, nous redescendons, vivre comme bon nous semble. Ce démon est toujours vivant. Voyez-vous, c'était contraire au commandement de Dieu. Un super signe. 30 avril 1961. Un peu plus tard dans la Genèse, nous trouvons un homme du nom de Nimrod. Il voulait bâtir une super tour. Il voulait bâtir quelque chose qu'il pouvait laisser au monde. Vous voyez ce que moi j'ai accompli. Oh, c'est ma réalisation. Et bien vous les gens, allez de l'avant et menez n'importe quel genre de vie que vous voulez. C'est ça la religion de Nimrod. Venez à l'église et vivez comme vous voulez. Allez de l'avant. Menez n'importe quel genre de vie que vous voulez. Et si jamais il venait à Dieu l'idée de nous détruire, nous monterons immédiatement dans cette tour. Et nous serons absolument à l'abri de tout déluge. Vivez comme bon vous semble. Comme les croyants aiment des pasteurs comme ça. Un pasteur qui peut vous rassembler, vous assurer que Dieu est toujours avec vous. Vivez comme vous voulez. Christ a déjà payé le prix. Frère Branham est déjà venu. D'ailleurs, il vous a vu tous au ciel. Comment vous irez en enfer, lui vous a vu là-bas. Vivez, papa, faites ce que vous voulez. Et nous sommes sous l'expiation, frère. Frère Madame dit, c'est ce que l'homme essaye de faire aujourd'hui avec sa super religion. Quoi? Vivez comme bon vous semble. Nous avons un saint homme qui prie pour vous. Les prêtres, les évêques, ou quelqu'un d'autre. Allez tout simplement de l'avant. Nous avons des super bâtiments. Nous avons de grandes églises. Et de grandes organisations. Allez tout simplement de l'avant. Tant que vous en êtes membre, c'est en ordre. Frère Branham dit, vous verrez que cela va tomber comme toute réalisation humaine et fatalement. Une religion fabriquée de toutes mains
qui n'est pas le résultat d'une vraie nouvelle naissance. Ça va tomber fatalement. Peut-être vous vous attendez à ce que ça tombe et qu'on vous retrouve dans le bar. Non, vous pouvez être toujours ici, mais vous savez vous-même que au dedans de vous, vous êtes déjà mort. Vous le savez. Oui, mais ça me bien. Tu chantes très bien. Chital. Cadavre. Tu ne respires plus en esprit. Parce que le don, il est inné. Dile le na di monto. Le don, Dieu, n'est pas lié à la conversion. Quand il est à la gueule de monto, il galère beaucoup de monde. Mais tu m'entends? Vous naissez avec. Donc, vous naissez prédicateur. Ce n'est pas parce que vous prêchez que vous êtes chrétien. Comme je prêche ce matin. Ce n'est pas ça la preuve que je suis chrétien. Vous pouvez voir les visions. Mais étant païenne. Vous pouvez parler en langue. Une bonne païenne. Vous pouvez chanter comme un ange. Mais un bon païen. Mes frères et sœurs. Frère Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des organisations. Peut-être que pour vous, le tabernacle de Mbujima, c'est une zone de réconfort ou de confort, c'est ce que je voulais dire. Tabernacle de Mbujima, vous sentez en sécurité. Non, non. Il n'y a pas de sécurité dans le tabernacle de Mbujimayi. Dans aucune église. Dans aucun tabernacle. Vraiment, me dit, aller à l'église, c'est bien. C'est ce que vous devez faire. Mais si de l'église, vous n'allez pas jusqu'à Christ, c'est que vous n'êtes pas allé loin. Ces formes, c'est la vérité. La vraie église qui sécurise, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant que vous êtes au tabernacle de Mbujimayi, entrez dans la vraie église. Sinon, vous aurez beau passer 60 ans ici, ça ne vous aura servi à rien. Que Dieu nous aide. Je crois que vous continuerez à m'aimer après ça, non? Supportez-moi, je ne suis pas en train de vous engueuler. Je suis dans la prédication une bannière. 19 janvier 1962 32 à 33. Prenons Nimrod. Nimrod a eu la même pensée. Après le déluge, il était conscient qu'il existait un Dieu qui jugeait les méchants. Comme vous aussi, vous en êtes conscient. En effet, on venait de sortir de ce déluge-là. Et il savait que
C'était le péché qui avait amené Dieu à détruire le monde. Par conséquent, sachant que le péché amènerait encore Dieu à faire la même chose, il a cherché à accomplir quelque chose en construisant une tour de telle manière que les hommes pourraient vite monter au ciel si la situation devenait intenable ici sur terre. Vivre au ciel, et puis il redescendrait sur la terre, pécher et remonter au ciel. Vraiment, on me dit, eh bien, non. Voilà la pensée que les hommes ont eue tout au long du chemin. Quelle pensée? Chercher à pécher, vivre sur la terre et au ciel au même moment. Vous ne pouvez pas faire cela. J'aimerais que vous parliez au singulier. Vous ne pouvez pas faire cela. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ça vous dérangerait que je vous dise de dire amen? Faites-moi la grâce de réveiller celui qui dort à côté de vous. Frère Branham dit, Jésus a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi nous croyons ce soir. Moi je dis ce matin. Donc moi et frère Branham nous croyons. Pouvez-vous le croire ensemble avec lui? Qu'est-ce que nous croyons avec frère Branham? Nous croyons ce soir dans le fait de nous abstenir complètement du péché. Je vous demanderai de dire amen. Là, c'est un amen que je vous réclame forcément. Frère Branham dit, quand le prédicateur dit quelque chose que vous savez être la vérité, dites amen. Toi, amen. Tout de suite, mon prophète. Nous croyons le prophète. Maintenant, c'est que je lirai que tu sauras que c'est la vérité. Il faut dire amen comme le prophète le dit. C'est pourquoi nous croyons ce matin dans le fait de nous abstenir complètement du péché. De nous en éloigner. C'est du poison. Le péché, c'est du poison. Comme nous ne voulons pas vivre en même temps sur terre et au ciel, nous croyons dans le fait de nous séparer complètement du péché. C'est du poisson. Ne perdez pas votre temps avec cela. Quand
Ne tolérez pas du tout cela. Les Éphésiens, ben Éphèse, croyaient qu'un chrétien doit mener une vie correcte et s'éloigner du péché. C'est pourquoi ils avaient pris des mesures d'éloigner le péché du milieu d'eux. Frère Branham dit, ne cherchez, n'ayez rien du tout à faire avec cela. Ne cherchez pas à voir à quel point vous pouvez vous en approcher sans péché. Ah. Frère, mais l'environnement... Non, frère, moi je suis un homme sauvé. Je ne tombe pas dans ce genre de choses. Moi, je suis un homme sauvé. Dieu, le plus sage de tous, dit que ne vous approchez pas du péché pour voir jusqu'où vous pouvez aller sans péché. Papa pasteur, toujours en compagnie de Mama Vaz. Donc le pasteur lui est immunisé. Il reste avec les femmes. Il cause avec les femmes d'autrui au téléphone. WhatsApp. Nous le retournons. Tu viendras nous dire. Non, moi je suis ouais. Qui n'est pas ouais? Peut-être tu es un faux ouais. Mais c'est là que le peuple de Dieu lui-même ne comprend pas cette chose. Dieu nous a envoyé un vrai prophète. Frère Branham nous a prêché un message, les loin du temps de la fin. Il dit que ce sont des prédicateurs. Ils ne sont pas loin du diable. Loin du véritable Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont faux? Leur enseignement, leur position vis-à-vis du vrai fruit qui est la parole ouinte de cette heure. Dis-le, ce diable. Oh, ce pasteur-là, il voit des visions, des prophéties vraies, fait les miracles. Oui, tout ça c'est vrai. Mais lui est faux. Ah, nouveau. Vous avez compris? C'est vrai. Il est faux. Yeah, ma fille. Maintenant, quand toi, tu regardes au miracle. Donc, question réponse numéro 2, Frère Branham dit, mon congo, mes petits enfants,
Même si quelque chose m'arrivait et que j'ai quitté cette terre, n'oubliez pas ceci. Voyez-vous pourquoi vous ne devez pas vous fier aux campagnes de guérison et à toutes ces choses? Donc ça veut dire que vous appuyez dessus comme élément de référence. Donc comme un absolu. Branham dit, la différence entre nous et les Corinthiens, nous les Éphésiens, nous croyons au don, mais nous ne nous appuyons pas là-dessus. Nous les regardons bien avec la parole. C'est pas ça mon sujet ce matin. Voyez à quel point vous pouvez vous en éloigner. Tout ce qui a l'apparence du péché. Très bien dit. Pas le péché. Mais tout ce qui a déjà l'apparence. Tenez-vous-en loin. N'ayez rien à faire avec cela. Pas du tout. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêché le 26 juin 1960. Paragraphe 70 à 72. Eh bien, si nous pouvions nous élever, si Christ pouvait venir dans une certaine histoire de ce genre, eh bien, les gens seraient heureux de le recevoir. Mais quand il vient dans sa puissance de résurrection, pour amener les gens à vivre, à agir et à bien se comporter, pour changer leurs attitudes, donc quand Christ vient dans sa puissance de résurrection, c'est pour ça. Pour amener les gens à vivre, agir et à bien se comporter, pour changer leurs attitudes, changer leurs habitudes, changer leur vie, là ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Les gens aiment Christ dans sa puissance de résurrection pour guérir leur maladie, pour leur donner l'argent, pour leur dire qu'ils sont délivrés, tout, tout. Voilà. Mais quand on touche à la vie, aux habitudes, aux comportements, les gens n'aiment pas que la puissance de Christ touche à ça. Tout en étant toutefois religieux. À l'église, nous allons, mais nous voulons vivre comme nous voulons. Les critiques, c'est nous. L'hypocrisie, c'est nous. Les vols, c'est nous. L'adultère, c'est nous. Le mensonge, c'est nous.
Mais à l'église, oui, à l'église, nous allons, tu y ailles. Nous chantons dans les chorales, tu y es même choral. Nous sommes dans la maison des dons, tout le monde voit bien. Nous prêchons l'évangile, oui, c'est l'évangile. Mais nous voulons vivre comme nous voulons. Tu pas de boum, tu pas. Donc au ciel, nous sommes là. Sur la terre, nous sommes là. Les chansons du monde, nous les écoutons comme les autres. Où je l'imagine à Chinkim. Tu danses même la danse Chinkimbo. Quand toi tu es en deuil, tu vas acheter même de l'alcool aux gens qui viennent. Non, moi, c'est pas moi qui bois. Qui m'aime d'une toi? Dans ton magasin. Ouais, bah, magasin. Tu vends du whisky. Ouais, le whisky, mon. Chrétien. Chrétien. Tu vends l'alcool. Moi, je ne bois pas. Mais est-ce que cet homme-là, tu peux avoir une seule seconde de lui dire que boire, c'est mauvais parce qu'il t'amène l'argent? Maman. Tu es une chrétienne. Mais dans ton magasin, tu vends les pantalons des femmes. Mais moi, je ne porte pas. Moi, je vends seulement. Qui veut acheter, achète. Hein? Nous avons rétrogradé. Acceptons-le quand même. Un homme a posé la question à Frère Branham. J'ai mon champ de chanvre. Nicotine. Branham lui dit, comme tu as déjà cultivé, vends ce qu'il y a dedans. Mais pour être chrétien, tu peux cultiver même le maïs ou autre chose. Un chrétien ne soutient pas les mauvaises choses dans lesquelles il ne croit pas. Moi, en anglais, je te gagne, je te parle, je te dis, je te dis. Dans tout ce que je fais, mon identité doit se révéler. Bon, mon tout bon, je ne sais pas ce que je dis, mon bien, je te dis. Chrétien, ton oncle vient chez toi. Moi, en anglais, je. Il fume la cigarette chez toi. Papa, mon papa ici, en me présentant à vous, il a dit que vous allez me recevoir comme votre fils. Mais moi, votre fils, je sais que vous m'avez enseigné que quand il y a notre brasière là-bas, qu'on ne vienne pas y allumer une cigarette. Mais, chose que... grave, dans vos maisons aujourd'hui, on y fume même la cigarette. Dieu avait dit à Israël que rien d'amour abominable n'entre dans vos maisons. Ma cousine, ma tante qui porte les pantalons doit savoir que chez moi, quand elle vient, elle doit porter comme une femme doit porter. En pantalon, elle n'entre pas chez moi. Non, non, c'est chez moi quand même. Disons-nous la vérité. Si vous aviez une fétiche, qui vous avait interdit qu'une femme en pantalon n'entre pas chez vous. Et que si elle entrait, vous alliez devenir fou.
Est-ce que vous alliez permettre même à votre mère d'entrer en pantalon? Non, je ne sais pas si vous avez dit. C'est parce que nous disons que nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas. Nous mentons. Frère, les autres ont des fétiches. Ils ont de magie. Mais nous, nous n'avons que ce Christ. C'est lui notre force. Je ne permettrai jamais que quelque chose vienne annuler ma seule puissance que j'ai. Non. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Oui, disons-nous la vérité. Mais nous voilons pas la face. Il y a des gens dans ce monde qui ne commettent pas adultère, pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce que dans les loges où ils sont entrés, on leur a dit ne touche pas une autre femme. Et ils respectent. Parce qu'il craint de mourir. Mais toi, tu dis que Christ est ton fétiche. Christ t'a dit de ne pas toucher une autre femme. Tu laisses la tienne. Tu vas tomber avec une autre. Parce que tu sais que après ça, tu viendras ici. Tu vas encore chanter. Donc tu peux être au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. En même temps, une jeune fille chrétienne qui va se faire abuser dehors. Là, elle est sur la terre. C'est réjouissant. Dimanche, tu es ici. Assise là. On chante, tu chantes. On danse, tu danses. Tu entres même en onction. Donc tu peux être au ciel dimanche et au courant de la semaine sur la terre. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Dieu ne supporte pas une religion comme ça. Dieu Branham dit, dans la prédication, soyez certains de Dieu. Dieu ne peut pas être satisfait d'une religion dépourvue de sainteté. Tu regardes la pornographie toute la nuit sur le net, le matin, tu viens faire ta religion. Antoine, comment te sens-tu? Tu as menti. À ton patron, tu sais que tu as menti. Tu t'agenouilles, tu pries. Et la prière monte. Donc toi, tu peux quitter la terre vers le ciel vers la terre, facilement, sans condition. Mais frère Branham, qui était loin plus que nous tous, ne pouvait pas le faire facilement comme ça. Il a eu le temps d'aller se purifier. Refaisons un inventaire ce matin. Je continue la lecture. Et tout en étant toutefois très religieux,
Tout en allant à l'église et en y étant membre, pourvu qu'il puisse y aller le dimanche matin, ou je ne sais à quel moment, suivre un sermon de 15 minutes du pasteur, écoutez, qui fera qu'il sorte de là en quelque sorte à moitié satisfait d'avoir accompli leur religion pour la semaine. Cela règle les problèmes. Et quand il retourne, il retourne faire tout ce qu'il veut le reste de la semaine. Donc quand tu es au marché, on ne te reconnaît pas comme une chrétienne. Mais ne croyons sur Abu Senji de Bamamba, Mochisaluba Nekai. Oui, ou du monde. Toutes les plaisanteries malsaines que les mamans du marché font, tu y es inclus. Quand on te dit, mais tu es chrétienne, non? Il est comme une cas. Moi, grand-père, nous sommes une église. Ici c'est ton marché, ce n'est pas dans l'église. Laissez-moi libre. Non, pour toi ton église c'est ce bâtiment. Mais le jour où on fermera ce bâtiment, c'est que pour toi l'adoration sera finie. Ou bien vous avez oublié qu'un jour on fermera. Vous allez chercher le pasteur André, il sera dans un coin caché quelque part. Non, non, pas moi ici André. Non, il mes frères et sœurs, chaque fois que nous avons une occasion comme ça, c'est l'occasion pour que chacun de nous devienne une église à part entière. Un temps viendra, parce que c'est ainsi dit le Seigneur, un temps viendra où tu n'auras personne pour entonner pour toi un chant. Tu seras toi-même le conducteur de chant, toi-même le prédicateur, toi-même tout. Mais si à l'intérieur il n'y a rien, alors il n'y aura rien. Le roi rejeté. Prêché le 15 mai 1960. J'ai lu la traduction de la voix de Dieu. Veuillez me pardonner si je m'exprime ici d'une façon tranchante et même très tranchante. Je ne le dis pas pour être malveillant. Je le dis par amour. Mais le Saint-Esprit dit que c'est mal pour nos femmes de couper les cheveux. C'est mal pour nos femmes de porter des petites shorts. Et des pantalons. Et de se mettre de la peinture sur les lèvres et le visage. Le Saint-Esprit dit que c'est mal. Mais nous, nous voulons qu'un homme nous dise qu'il n'y a pas de mal à ça. Qui va parler comme Saül? Tant que nous marchons à ma suite et à moi et à celle de Samuel, ils aiment vivre comme ça, comme ça leur plaît, pendant 6 jours et aller à l'église le dimanche matin. Je suis un abonné de la chaîne du Tabernacle de Mbujimayi.
Souvent je suis les cultes. Si c'est le jour où je n'ai pas culte. Pendant la semaine, tous les balcons là sont vides. Même en bas là, c'est à peine que c'est plein. Donc tout le monde là est à un service commandé. J'ai parlé avec une jeune sœur. Je lui pose la question. Tu n'étais pas à l'église, pourquoi? Ma patronne nous a donné, comme nous sommes à deux, l'un par mercredi, l'autre par vendredi. Maman, tu es à l'église. Tu es à l'église. Pas sœur. Patron, un chrétien, je suis un chrétien. Si vous fermez ce magasin que vous fermez à 18h, là, vous le fermez à 16h, vous perdez quoi? Vous ne pouvez pas croire que Dieu peut vous donner de 8h à 15h30, c'est que vous n'aurez pas dans les 2h. Maintenant regardez. Ces jeunes gens et jeunes filles, vous les prenez parce que vous croyez qu'ils sont honnêtes. Et ce qui fait leur honnêteté, c'est la parole. Maintenant vous commencez à les garder loin de la parole. Vous pensez qu'ils vont continuer à être honnêtes? Pensons à l'humain. Vous savez ce que vous dites? 15h30, moi que voici, j'ai mon magasin. Et souvent, je ferme à 15h30. S'il arrivait que nous ayons des réunions de prière, on va fermer mon magasin. Mais je vous informe, Dieu, après cela, il va déverser davantage. C'est parce que vous ne savez pas compter sur notre Dieu. Dieu peut te donner dans 30 minutes l'argent que tu ne peux pas avoir dans une semaine. Si vous honorez Dieu, Dieu vous honore aussi. Le problème, c'est parce que nous avons les calculs humains. Comme je dois rembourser l'argent à la banque lundi, maintenant si on ferme aujourd'hui, tu n'avais pas fermé, est-ce que l'argent est entré? Ils veulent vivre comme ça leur plaît pendant 6 jours et aller à l'église le dimanche matin. Et qu'un homme très intellectuel qui a fait de grandes études et qui a plein de diplômes leur prêche un petit sermon. Quelques plaisanteries qui soient agréables à leur oreille,
et qu'il les divertisse comme de regarder un film ou une émission de télévision. Et qu'il fasse ensuite une prière pour eux. Et qu'il les renvoie chez, chacun chez soi avec une espèce de sentiment de sécurité. De satisfaction personnelle. Comme quoi ils ont pratiqué leur religion. Vraiment, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait que vous viviez pieusement tous les jours de la semaine et toutes les nuits. Là, je me conduis à même. Le chrétien n'a pas un seul jour où il doit vivre mal. Il n'a pas une seule nuit où il doit vivre mal. En vous séparant des choses du monde. Amen. Amen. L'âge de l'église de Phèse. Frère Branham dit, montrez-moi où Dieu pourrait jamais confirmer et accorder les parler en langue et des choses glorieuses juste en serrant la main du pasteur quelque part et en inscrivant votre nom dans un registre. Déjà, tout le monde, je suis un membre fidèle d'une certaine église. Alors que vous continuez à chiquer, à fumer, à boire, à mentir, à jouer aux cartes et à vous divertir un peu. Oh miséricorde! Ce sont de faux prophètes charnels. Ah bon, bah prophète, bah machimi, bah mubiti. Qui va vous encourager, mubintoi? Ce sont ces gens-là qui vous encouragent dans ces choses-là. La voix de Dieu, Jila Wanzam, c'est la sainteté. Jila. Frère Branham dit que tous les membres du corps de Christ ici le sachent. Qu'ils sachent quoi? Tant que vous ne menez pas une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Je peux relire. Que tous les membres du corps de Christ ici le sachent. Tant que vous ne menez pas une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Le sacrifice doit être offert avec des mains saintes. Hein? Hein? Le souverain sacrificateur, avant même de pouvoir entrer pour offrir le sacrifice, devait être saint.
consacré, ouais, parfumé et tout, avant même de pouvoir entrer dans la présence des dieux pour offrir le sacrifice. Est-ce la vérité? C'est vraiment qui vous pose la question. Alors, comment pouvez-vous sortir là et tricher? Vous trichez? Voler, faire des histoires, vous battre avec vos voisins et tout le reste, vous comporter comme vous le faites et ensuite venir dire, oh Seigneur Dieu, gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Alors que tu t'es battu avec ton voisin hier. Tu as triché au travail. Cette marchandise-là, tu as noté que tu as vendu à 15 000. Alors que tu as vendu à 18 000. Mais la patronne avait dit que vous pouvez vendre à 15, non? Elle avait ajouté que si tu vends au-delà de 15, c'est pour toi. Tu es un commissionnaire du diamant alors que tu travailles dans un magasin. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle sache que tu as vendu à 17 000? Tu es voleur. Même si tu ne le crois pas ce matin, un jour, Dieu finira par te convaincre que tu avais volé. D'ailleurs, il te l'avait dit ce jour-là, mais tu n'as pas dit parce que tu aimes bien garder le péché. Un chrétien gagne sa vie honnêtement. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Tu voles, tu vas nourrir tes enfants. Et les enfants attrapent des maladies. Oh mon pasteur, mes enfants sont malades. Oui, ils sont malades. Mais que mangent-ils? Les gens disent, je le vois parler en langue. Cela ne signifie pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Oh, mais je les entends crier. Cela ne signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Oh là, je me conduis, amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas prêcher. Le Saint-Esprit, ce n'est pas chanter. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parler à l'âme. Ce n'est pas prophétiser. Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est la personne de Jésus-Christ. Vivant sa vie dans un individu. Si Beethoven vivait en moi, vous vous attendriez à ce que je fasse les choses comme Beethoven. Et si Beethoven. Jésus vit dans un homme, cet homme vivra comme Jésus. Il pardonnera comme Jésus. Mais moi j'ai le Saint-Esprit, je ne pardonne jamais.
Il faut que le pasteur vienne. Qu'il insiste. Ma soeur, est-ce que tu ne peux pas comprendre vraiment? Pourquoi fais-tu souffrir cet homme d'autrui? Ce que tu oublies, c'est que en refusant de pardonner aux autres, tu te mets toi-même dans une prison. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. Quand tu refuses de lui pardonner, tu es en train de dire clairement à Dieu, Seigneur, ne me pardonne pas aussi mes offenses. C'est clair. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Nous ne pouvons pas être au ciel et sur la terre au même moment. Des chrétiens et des païens. Quand je chante, je chante comme un chrétien. Quand je prie, oh, c'est moi qui connais Dieu. Je sais même où il habite. Là, tout celui qui est à côté de moi admire la prière. Quand je parle en langue, oh, c'est merveilleux. Quand je prêche, comme le feu descend. Mais quand je vis, mon ami prédicateur, quand tu vis, ta femme ne peut pas dire que tu es chrétien. Ta propre femme, pendant que tu prêches là, elle est en train de s'étonner. Elle s'étonne. Elle se dit, est-ce lui ou quelqu'un d'autre? Un prédicateur qui a encore l'injure facile. L'injure. Mais quand il est en la chair, c'est l'ange. Un prédicateur, encore escroc. L'argent d'autrui, et il détourne cet argent-là. Pasteur ndami na kokwa wangenda selangi kala ndami shakudie mara ba frère ka jana ulone ni bon. Est-ce que tu as bien prié? Est-ce que papa pasteur regarde mon argent ici, j'aimerais que j'épargne cet argent parce que je vais entrer en mariage. Le frère a déjà tout fait, il vient auprès de toi. Regarde où mon frère, est-ce que réellement tu me sembles bien pas? Hein? Vous me pas, frère. Va encore prier. En ce moment-là, l'argent d'autrui que le frère lui avait confié est déjà envoyé pour l'achat du maïs. Le matin où le prédicateur doit aller prêcher, il s'échamaille avec sa femme, il gifle et il vient monter à la chaîne. Je vais prêcher, nous viendrons nous voir le soir. Toi, tu viens envoûter les enfants de Dieu ou quoi? C'est là qu'il faut faire la différence entre le don et la vie. Le chrétien doit être chrétien partout. D'ailleurs, frère Bonhomme dit que le chrétien, on le reconnaît en temps de tension.
Quand on vous a vraiment lésé, c'est là qu'on doit connaître que vous êtes chrétien. Non, révérend. Ma soeur, des soeurs avec qui tu ne te parles. Tu sais ce que tu dis? Bon, l'affaire est déjà passée, elle fait sa vie, moi je fais ma vie. Vous ne comprenez pas que vous faites mal à l'église du Seigneur? Maintenant, toi et elle, vous êtes assises ici. Et vous chantez ensemble. Vous appelez le Saint-Esprit. Mais vous deux, vous ne pouvez pas vous regarder. Je suis en train de méditer sur un message. Je vais prêcher chez moi quand je vais rentrer. Un voyage sans bagage. Frère Branham dit, le voyage dans lequel nous sommes, c'est un voyage où on ne se charge pas, mais on se décharge. N'ayez rien qui vous empêche de continuer la marche. Tu perds quoi? Si toi tu t'humilies et tu vas voir cette personne, tu perds quoi? C'est ça même le début du christianisme. C'est là même que vous pouvez peser votre humilité. Quand tu refuses d'avancer la première, c'est parce que tu es orgueilleuse. Il n'y a pas une autre solution à ça. Non, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est quand tu vois qu'il y a quelque chose là, toi, tu commences, tu vas, frère. Est-ce qu'il y a un problème? Sœur, est-ce qu'il y a un problème? Bon, l'église, tu peux dire beaucoup l'homme, oui, oui. Ah, du moins, il y a bien de bien, bien de bien. Si tu as salué, nous, comme on, moi, et toi, pareil. Ou du bois, loin. Du coup, moi, je ne vais pas te dire. C'est difficile, mais c'est ça la parole. Moi-même, je me débat aussi pour vivre ça. Parce que vous ne pouvez pas bien prier quand il y a quelque chose dans votre cœur avec quelqu'un. Comment allez-vous prier? Vous savez, là, c'est la religion de Nimrod. Donc vous pensez que vous pouvez être au ciel et sur la terre sans condition? Non, non. Dans notre religion, il y a des choses à régler. Tu es déjà tombé, oui, mais mets en ordre. Vous vous êtes chamaillé, ça arrive. Dans la vie des hommes, ça peut arriver. Mais mettez en ordre. Et moi,
Frère Branham dit, j'aimerais mettre toutes choses en ordre ici pour ne pas avoir de difficultés à la rivière. Je lis la dernière citation et j'arrête. Le sixième saut. 23 mars 1963. 59 à 60. Et souvenez-vous, toute la chose est basée sur deux choses. L'une, tu moi, l'Antichrist. L'autre, le Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ou c'est l'Antichrist, ou c'est Christ. Frère Branham continue. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Des demi-chrétiens. Ça n'existe pas. Est-ce que nous pouvons dire amen? Il n'y a pas de demi-chrétiens. Un homme qui a bu et qui n'a pas bu. Ça n'existe pas. Des oiseaux blancs qui sont noirs non plus. Non. Des saints qui sont pécheurs. Non plus. Un saint mais qui est un pécheur. Non. Frère Branham dit. Ou bien vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un saint. Voyez, il n'y a tout simplement pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Ou vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Peu importe combien de sensations vous avez pu avoir. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'en êtes pas rempli. Voyez? Et si vous en avez été rempli, votre vie le montre. Elle s'aligne avec. Mangez le Saint-Esprit à la réunion que le diacre Liva il avait organisée en 1900. Okay. On refuse pas. J'avais senti le feu depuis les pieds jusqu'à la tête. Oui, ça peut arriver quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Mais est-ce que votre vie le montre? Allez voir gastrite. Frère Branham dit, si vous en avez été rempli, votre vie le montre. Elle s'aligne avec. Vous voyez, personne n'a besoin de le dire à qui que ce soit. Imagine Saint-Esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Vous voulez comme un 96? Quand il y avait la Pentecôte en ce moment-là.
Alors que depuis que la Pentecôte était descendue sur toi, c'est toujours le même mensonge. C'est toujours la même colère. Branham dit, c'est qu'il fut que je sache que j'avais reçu le Saint-Esprit. Parce que moi j'étais un homme tellement colérique. Tu vois, toi, les montants en bas, je ne supportais pas que Kajilé. Quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, tu peux insulter même ma maman, moi Branham que voici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a changé en vous et en moi? Londres, tout le monde, moi, il peut me chanter le monde, moi, il peut me ni moi ni même. Faut me dit. Personne n'a besoin de le dire à qui que ce soit. Kabine bigenga le monde, toi, Londres, le n'ingani n'ingani to. Il le voit. Bantunga ya bukimba di baguma na nihudi na nyuma muimpa. Nous sommes là. Turi kabaga. Ça n'a pas besoin de se dire. Kabine bigenga le gwenda kubiambila. Mais ça se voit. Une femme avec le Saint-Esprit, le public peut le remarquer. Maman, vous c'est toujours, c'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui voit. Non, nous ne voyons pas. Vraiment, on me dit que vous n'avez pas besoin de nous le dire. Nous pouvons le voir. Le problème, c'est que nous ne voulons pas seulement vous offenser. Mais quand nous regardons là, nous savons voir. Nous avons fait. Donc les enfants ici vont penser que je ne l'avais pas toujours. Hey, donc vous vivez pour nous ou vous vivez pour vous et pour Dieu? Vous avez déjà 60 ans, vous pensez qu'il vous en reste combien? Or, moi je pense, bien que nous ne connaissons pas le temps de la mort de qui que ce soit, mais une personne qui est déjà au-delà de 50 ans devait prendre sa relation avec Dieu au sérieux, plus qu'un jeune homme, parce qu'à tout moment, Dieu peut vous appeler. Les gens le voient. Vous voyez? Parce que c'est un saut. Branham dit que le saut est visible dedans et dehors. Mes frères et sœurs, revoyons où est-ce que je vis réellement. Au ciel ou sur la terre? Je ne parle pas du corps, mais de l'âme. Parce que l'âme du chrétien est positionnellement dans, en Christ, dans les lieux célestes. J'adore par formalité et je continue à vivre comme un païen ou je vis comme un chrétien. Que Dieu nous aide. Nous avons encore tout le temps de revoir les choses. Éloignons-nous du péché. C'est du poison. Il va nous détruire.
Je m'étonne. Vous acclamez quoi? Une prédiction comme ça, vous acclamez. Je ne vois pas comment on peut acclamer, sauf celui qui était au-dessus de cette prédication. Tous nous sommes concernés. C'est une interpellation. Vous acclamez quoi? Vous admirez la prédication? C'est des personnes qui étaient absentes qui ont acclamé. Moi, je pense que c'est une prédication où même quand nous, si nous sortons, personne ne pourra parler à une autre personne. Mais je pense peut-être vous... Pensez que quand on termine la prédication, il faut toujours acclamer. La prédication, le titre était « Comment pouvez-vous vivre au ciel et sur la terre en même temps ?» Mais moi, je dois vraiment interpréter comme ceci. Comment pouvais-je vivre au ciel et sur la terre en même temps? Une interpellation personnelle moi-même. On a touché beaucoup de choses ici. Même la manière que nous vivons dans nos foyers avec nos épouses, avec nos maris. Je pense que chacun de nous a été interpellé. La parole est au-dessus de nous tous. Et les jeunes filles ici. Et les jeunes garçons. Et nous les parents. Dans la société où nous vivons. Et de la manière que nous vivons n'importe comment. Comment puis-je vivre au ciel et sur la terre en même temps? Aujourd'hui, pendant qu'on prêchait, nous avons senti du remords dans nos cœurs. Mais demain, ça sera comment? C'est quand vous voyez la veste que vous portez pour les bonnes œuvres dans l'église, danser, chanter. Quand nous sortons, vous enlevez ça, vous reprenez votre habitude là. Surtout les jeunes filles, les jeunes garçons, aussi des femmes et des hommes. Je voulais que nous comprenions très bien. Peut-être vous avez battu les mains seulement comme d'habitude. Mais je sais aussi que vous êtes touché. Vous êtes touché. Mais parce qu'on acclame chaque fois toute prédication, vous avez acclamé. Mais j'aimerais que nous discernions les temps où nous pouvons acclamer et les temps où nous pouvons pleurer. Et nous les parents, vous maman et vous papa, on vient de nous parler. Peut-être vous sentiez que ça vous faisait mal qu'il termine vite. Mais c'est ça, il faut épilicher cet abcès-là. Je pense que nous autres qui n'avons pas acclamé, parce que nous sommes touchés, il faut que nous trouvions un temps pour commencer à parler à Dieu maintenant. Alors parler à Dieu. Il y a ici des concernés dont on a parlé ici qui ne se parlaient pas. Vous étiez au ciel ici quand on chantait. Dans le louange. Mais quand vous allez sortir, c'est sur la terre. Tu gardes toujours cette inimitié que tu as.
Tu avais bien dit, tu avais bien suivi ici. Ce n'est pas à elle de venir se réconcilier avec toi. Toi qui viens de te toucher, va vers ton frère, ta soeur. Est-ce que tu vas le faire? Tu as senti en toi-même que tu as eu des résolutions pendant qu'on prêchait ici. Et en tout cas, tu sentais que c'est moi qui suis concerné. Vous deux, vous êtes rappelé que vous êtes concerné. Toi, homme et femme, vous êtes concerné, vous ne vous parlez pas à la maison. La parole est venue spécialement pour vous. Est-ce que vous allez régler ça à la sortie ce soir? Toi, fille de Dieu, est-ce que tu vas régler ça aujourd'hui? Tu vas te réconcilier. Toi, jeune fille, est-ce que tu vas régler ça? Toi, jeune garçon, tu vas régler ça? Toi, mari, tu vas régler ça avec ta femme? Que celui qui a des oreilles entende. Et où dit le match à Téléja. Que chacun parle à son Dieu. Montu de montu, akula, on parle pas zambi wen. La quinine était à sa place. Bwanga, buvuhakaba kabu. Pour traiter la malaria. Bwakumone mwakondo ha malaria. Il y a eu la malaria, il faut la quinine. C'était très amer, mais ça va guérir. Quand nous sortons, allez régler la chose. Va voir ta soeur. Va voir ton frère. Que chacun parle à Dieu.
Seigneur Jésus. Mukalenga Yesu. Nous venons de recevoir, Seigneur, cette interpellation. Tu as inspiré ton serviteur de pouvoir nous interpeller de cette manière. Il y a une raison pour tout ceci, Père. Il y a des concernés certainement, Seigneur. Nous sommes concernés tous, Père. Personne ne pouvait relever sa tête. Dis-moi ceux-là à qui tu as fait la grâce. Nous sommes coupables devant toi, Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi. Beaucoup de points ont été touchés. Qui pouvaient nous toucher chacun par-ci, par-là. C'est ce que tu as voulu aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, au Dieu Tout-Puissant. Nous puissions être à jour. Oui, Seigneur. On ne doit pas vivre sur la terre et au ciel en même temps. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous aider. Ta parole est sortie. Seigneur Jésus, accorde cette grâce à nous, Seigneur. Que chacun de nous puisse revoir sa vie. Les choses qui sont restées en suspens. Pour mettre cela en ordre. Nous avons besoin de ta grâce pour nous assister. Père. Merci pour ta parole de ce matin, Seigneur. Tu sais qu'il y a des résolutions qui viennent d'être prises, Père. Aide chacun à réaliser sa résolution. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Donne-nous du courage là où il faut réparer. Là où il faut arranger. Donne-nous ce courage là, Seigneur. Accorde à chacun selon ce qu'il vient de te demander. Nous venons ici dans la maison des corrections. Tu nous as corrigé, Seigneur. Aide-nous, au Dieu Tout-Puissant. Que nous ne soyons pas comme les sujets viennent de le dire ici. Vivre au ciel, vivre sur la terre de la même manière. Quand nous chantons, nous sommes emportés. Mais Seigneur, ça ne doit pas seulement être ici à l'église. Ça doit être dans notre vie quotidienne. Pardonne nos manquements, Seigneur. Nous nous identifions tous comme des pécheurs. Nous demandons toi, le Dieu Saint, que ta parole sainte puisse nous purifier. Conduis-nous dans ta vérité. Viens vivre ta propre vie en nous, Seigneur. Tu nous as dit, venez en moi, tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous te remercions pour cet après-midi. Pour cette interpellation. Bénis aussi ton serviteur. Que tu as utilisé. Si tu lui as inspiré cela, tu savais pourquoi tu as envoyé ceci, Père. Parce que nous sommes concernés. Et tu nous as interpellés, Père. Merci, Seigneur. Parce que tu nous aimes.
Parce que tu as voulu nous corriger. Peut-être certains étaient distraits. Mais tu viens de nous réveiller. Nous te disons merci, Père, pour ce réveil de conscience et de la vie chrétienne. Nous demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que les corbeilles circulent, nous allons saluer les serviteurs de Dieu. Nous allons demander à chacun que nous allons citer de se tenir debout. Et l'Église va le saluer. Nous avons les serviteurs de Dieu et diacres Ilunga du tabernacle de Katanda. Tudini mwene muri mwanzambi ilunga mulami ilunga kwa ku tabernacle wa Katanda. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga akubenesha. Nous avons le révérend pasteur Mutombo Vasi de Grâce Tabernacle de Nsangu à Mukongo. Tudini wakuneme kwa pasteur Mutombo Grâce wa Nsangu ku Mukongo ka. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga akubenesha. Nous avons le révérend pasteur Neville Muteba de Victoire Tabernacle de Chitolo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons l'évangéliste Mbouineville du Tabernacle de Mbujimaï. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons les serviteurs de Dieu, Ngama Pierre du Tabernacle, Elie de Kabinda. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons les serviteurs de Dieu, Michael de Daniel Tabernacle de Mouineditu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le révérend pasteur Mulamba de Bakamba. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura des fiançailles le samedi 16 juillet à 11h juste. Nous croyons que notre réunion n'a pas encore pris fin. Deux couples sont programmés. Le premier, frère Patrick Mutombo, et la sœur Naomi Masengu. Si vous pouvez arrêter, si la cabine peut arrêter les chansons qui passent. Le deuxième couple, Eric Ilunga Luepela et la sœur Sharon Andu Masanka. Nous demandons à la juridiction Tchema et Fernand de cette, les deux juridictions de se tenir debout. Pourquoi ce retard? Vous êtes absent ou bien vous êtes là? Veuillons les acclamer. Nous
Ce sont eux qui ont nettoyé nos deux temples au cours du mois qui vient de s'écouler. N'oubliez pas, les corbeilles passeront au deuxième tour. Et vous savez pourquoi? C'est pour le communiqué que le président Georges avait donné. Votre contribution ou bien votre soutien pour l'anniversaire de notre pasteur. Tous les membres de GT sont conviés à participer à une réunion importante. Juste après culte dans la salle de réunion. C'est le président qui signe ses communiqués. Communiqué du diacona. Les diacres, après, appellent leur juridiction à les rencontrer après culte à leurs endroits habituels. Diacre Deba, Diacre Kato, Diacre Pierre Kalende Dibwe, Diacre Jean Kaloubi, Diacre Jean Kamou. Le Diacre Jean Kamou cherche seulement le membre du comité de chez lui. Mon ami Jean Kamou, je vous remercie de vous parler de la Bible. Diacre Nathanaël, Diacre Seba et Diacre Feli. Communion fraternelle de la semaine. Président Georges, mardi 16h chez Mathieu Ndibou. Président Georges, ni bega mokutira ni bamwenda. Mujibiji ajibe jukumi ni sambombo kwa mwana twa baluma Mathieu Ndibou. Point n'est besoin de répéter cela. Seba, lundi 16h chez le huissier Jean-Claude Kalemba. Feli, mardi 16h chez le révérend Daoudi. Le président Georges veut rencontrer les huissiers après culte. Président Georges, le diacre Sélé veut rencontrer tous les membres de son comité. Il cherche aussi à rencontrer la sœur Brigitte Mutwale. Nous passons rapidement à la nécrologie. Le diacre Kato nous informe. Parce que le programme était donné le mercredi, pour la semaine prochaine, nous voulons officiellement encore l'annoncer. De la semaine prochaine. Dis ça tout. J'allume le dukumba là. Tout ce jingle kumwamba kabidi bantu bitu langana. Bon, ceux de la cabine ont rappelé qu'on vient de perdre un câble qui alimente pour vous qui torchonnez. Vous avez mis de l'eau. Vous voyez ce câble ici. Ça a mouillé le câble. Maintenant, la communication est devenue difficile. Nous venons de perdre un câble. Ça nous coûte cher à partir de Kinshasa. Vous torchonnez bien. Nous voulons bien cela, mais vous n'avez pas veillé. L'eau est entrée, ça a mouillé un câble qui est abîmé. Donc on vient de perdre ce câble-là. Donc, nous disons que dans les jours qui viennent, veillez quand vous torchonnez, ne pas toucher à ces câbles bien mouillés. Il y a des câbles qui sont sous sol là-bas. C'est mouillé, c'est abîmé. Vous n'avez pas fait expressément, c'est par erreur, mais c'est pourquoi nous vous rappelons qu'évitez ça, parce que ça a dérangé un peu la communication. Quand
Et la semaine prochaine est une semaine spéciale pour que nous puissions nous rappeler de l'anniversaire de notre dédicace. 10 ans, ce n'est pas peu. Dès demain, nous commencerons à voir déjà nos hôtes. Déjà, certains sont déjà là-bas. Nous avons déjà les pasteurs Manassé. Nous vous communiquons le programme officiel aujourd'hui. Donc, les manifestations commencent le mercredi prochain, le 6 jusqu'au 10 juillet. Pour notre dédicace, nous lisons les communiqués. Mercredi le 6 juillet 2022, donc pour dire officiellement que les services commencent à 15h. Je pense que nous commençons déjà à entrer en vacances pour les élèves. 15h à 15h30, entrer au temple et fanfare à la véranda de l'ancien temple. La fanfare c'est là sur la véranda. En tant que nous entrons pour occuper nos places. Alors, dès 15h30 jusqu'à 15h40, début du culte et 15h30 à 15h40, début du culte et prière d'ensemble. Hadjiba 15h40 à 16h juste, cantique d'ensemble. À 17h30, prédication dans 1h30. 17h30 à 17h45, récolte dîmes et offrandes. 17h45 à 18h juste, présentation des hôtes et prières de clôture. Jeudi le 7/7/2022, 15h à 15h30, entrée au temple, agrémentée par la chorale tonnerre dans le temple. 15h30 à 15h40, début du culte et prière d'ensemble. Nous allons rappeler toujours à celui qui sera désigné de savoir comment abréger la prière quand vous êtes désigné. 15h40 à 16h juste, cantique d'ensemble. 16h à 17h30, prédication. 17h30 à 17h45, récolte du mets offrande. 17h45 à 18h juste, présentation des hôtes et prières de clôture. Vendredi 8 juillet 2022. Jabwa jitano matukwa jimwanda mukulu angono wanomtegeta chijimuchitudinache hansheji.
15h à 15h30. Entrer au temple et animé par la chorale Myriam. À 15h40. Début du culte et prière d'ensemble. 15h40 à 16h juste. Cantique d'ensemble. 16h à 17h30. Prédication. 17h30 à 17h45. Récolte d'hymnes et offrandes. 17h45 à 18h juste. Présentation des hôtes et prières de clôture. On reprend toujours le présentation des hôtes parce que il y aura aussi certains qui viennent aussi pour mon anniversaire. Le samedi, c'est libre, on n'aura pas culte. Dimanche, le 10 juillet 2022, 8h à 8h50, entrer au temple et accueil par la fanfare sur l'avenue Luputa. Il fait des va-et-vient. Et en même temps, pendant ce temps au temple, cantique de méditation par la voix du tabernacle. Il fait des va-et-vient. 8h50 à 9h juste. Entrée triomphale de la fanfare au temple. Ils sont censés être finis sur la route pour entrer. 5 minutes seulement. Et de 9h à 9h10. Là, c'est le début du culte. Lecture de la parole. Et une seule personne prie. Il n'y aura pas prière d'ensemble. À 9h25. La voix du tabernacle chante. Aho, la voix du tabernacle wende wimba. 9h25 à 10h25. Toute une heure. Jiba djima bulubulu. De différentes expressions. Aho ni tuteleja miakulu mishilishilangana. Et ordination du pasteur Jean-Luc Toumba des Paradoxes Tabernacle de l'Afrique du Sud. Ni djijidila, ya pasteur Jean-Luc Toumba. 10h25 à 10h50. Cantique d'ensemble. 10h50 à 10h55. Comme vous le savez, quand on termine à chanter, il y a 5 minutes d'adoration avant qu'on entre dans la prédication. D'adoration animée par la voix du tabernacle. La prédication 2h.
et 12h55 à 13h10 récolte d'hymnes et offrandes. 13h10 à 13h20 prière de clôture et fin. J'ai rappelé que je voudrais rencontrer à la fin de la réunion tous les chanteurs et ceux qui chantent pour que nous parlions ensemble. De notre église ici. Seulement. Que nous puissions un peu dialoguer sur la manière que nous devons nous organiser. Pas pour cette fête, mais dans notre église, comment nous pouvons nous organiser. Quand j'appelle chante pas la chorale, hein, des personnes qui aiment chanter. Des compositeurs. Ok, merci. Homme ou femme. Nimba luma, nimba kaji, toi c'est qui l'aille. On m'a surpris hier par les diacres qu'il y a un mariage. Est-ce qu'il y a des gens dehors là-bas pour les mariages? Nyaba mbazula, kuji mulami bwani, kuji jibakaja, kuji dil. Il y a des gens dehors pour les mariages? Kukaji bantu hambelo habwa jibakanya. Alors, Diacre Marlin, c'est lui qui m'a dit qu'il y a un jeune homme qui est venu brusquement de Lubumbashi pour les mariages. Je voulais. Mon ami Marlin, c'est mon ami Bouane, que le sang, le mouvement de Lubumbashi, mon loup, on boit du bac, on boit du. En clôture, en clôture. Bien pas, tout de suite. C'est lui qui est venu me dire. Allié, le président du conseil des administrateurs prie les membres de la commission de la décoration de rencontrer le frère François Mpunga après culte dans la parcelle parking de l'église. Le frère Charles Luna demande à ceux qui s'occupent de l'organe de musique d'être là demain à 16h juste pour la répétition. Nous passons au communiqué nécrologique. Le diacre Kato nous informe que le frère Bulungu, son frère a perdu sa fille au village de Munyeng. Le diacre Jean Kaloubi Moulami Jean Kaloubi nous communique que notre huissier Kalonji Moulopwe, son frère a perdu sa mère à Kinshasa. Ils observent le deuil chez lui à Misesa sur la grande route. Le diacre Fernand nous dit que la sœur Moa Bajana, épouse du frère Kandanda, cette sœur est revenue du deuil de sa mère. Le diacre nous demande de passer la consoler. Excusez-moi, c'est toujours le diacre Jean Kaloubi qui donne ses communiqués. Dans la juridiction Jean Kamou, la sœur Mwanshindi, épouse du frère Plamuka, Mukaji wa Mwanetwa Baluma Plamuka, cette sœur a perdu sa mère.
Cette mère est aussi la mère du pasteur Nshindika Yoka de Bakwa Mulumba. Le corps est au frigo mortuaire. Dans la même juridiction, le frère Kayemba Jean, il est revenu du deuil de son père. L'adresse près du centre de santé à Bakwadianga. Non, résidence du frère. Mais nous allons quand même passer les consoler. Que le Seigneur vous bénisse. En rapport avec la semaine spéciale, il y a le frère Félix Mukanya qui a conçu, bon, qui a préparé un t-shirt. Celui qui est intéressé, parce qu'il semble qu'il y a des gens qui l'avaient déjà contacté. Il est prêt à offrir ce t-shirt. Je crois que vous pouvez le contacter à sa maison. Son adresse, est-ce qu'on connaît son adresse? Ah, tout près de Pierre de Fête. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Inclinons nos têtes. Que le frère Mpunga François voie l'Adé Zachary au bureau des administrateurs. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, merci pour nous avoir conduits jusqu'ici. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, nous nous abandonnons entre tes mains et nous prions de nous ramener dans la paix, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Sœurs, sortez dans l'ordre, s'il vous plaît. Vous êtes pressés, mais en voulant sortir tout à la fois, vous allez vous bloquer à la porte. Arrêtez un peu la musique, arrêtez la musique. Fermez d'abord la porte là. Fermez cette porte là. Nous ne voulons pas les désordres dans notre église. Fermez la porte là. Qu'elle rentre à leur place.